Là, il y avait... Je vais tomber. Je faisais rien, mais là, je vais faire un vlog improvisé parce que il y a mes soeurs qui vont passer la semaine avec moi. Donc, voilà, voilà, voilà. Daïso, Daïso, tu là. Où tu es? Attends, pas qu'à côté. Regarde ses fesses. Je sais même pas quoi dire. On est en train de manger. Tu vas savoir ne pas McDo. Tu commences son habitude, voilà. Pas des trucs à base de poulet. D'abord, j'aime pas le McDo, mais bon, je sais pas, sacrifice aujourd'hui. Voilà. C'est elle, c'est elle. Moi j'ai réagi, c'est elle. Non, Monet. Si tu as les kilos, tu as les kilos, tu les kilos. Monet, hein? Hello! On est le mercredi matin. Du coup, là, avec Siana, on va aller retirer de l'argent. Et ensuite, aller acheter de quoi? Oui. Accessoiriser mes cheveux. Parce que ce soir on va regarder le film où il y a Salma Hayek qui joue dedans en... à Paris. Ou quoi de mieux que d'aller la soutenir sur Paris et nous l'occasion de la voir parce que de base elle vit au Comor. Donc voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ça? Ça là, hier soir elle a perdu sa dent. Ça y est, l'enfant est tombé. Avec le soleil. Oui, ça y est, du coup on a acheté tout ce qu'on avait acheté, mais là on va se prendre à manger, on va prendre des grecs parce que ça y est, flemme de faire à manger. En plus je vais perdre du temps en faisant à manger vu que je dois me coiffer Siana et me préparer. Voilà, on a tout ici. Elle est trop vite. Et, ouh, mais elle est gercée là. On est les dignons. Voilà. Vas-y, depuis j'ai la rage, évidemment, évidemment, ils ont éliminé Amis. Ils ont éliminé Amis, alors que dans l'émission, il y a un Julien, il y a l'autre là qui a 18, 19 ans, il y a... Hey, Amis, elle a tout donné dans le prime, je m'en remets toujours pas. Je suis désolée, ça fait 4 jours là qu'elle est éliminée, mais 4 jours qu'ils sont encore là, dans le gosier, ça ne veut pas partir. Elle avait tout envoyé, elle avait tout envoyé.
Et là, il y a des Juliens, genre, on leur dit de courir, ils veulent pas faire le cours de PS. Coucou. On est jeudi et là, je vais sortir, acheter des croissants, etc. pour manger, pour les petites soeurs. Et regardez comment je suis habillée. Ma mère m'a toujours dit, François, tu verras que quand tu seras grande, quand tu grandiras un peu plus, tu t'en foutras de te maquiller, t'habiller, tu sortiras comme ça. Regardez. Du coup, là, en fait, je vais juste aller acheter le petit déj pour ma petite soeur, genre croissant, etc. pour manger. Je crois que j'ai déjà dit. Et hier soir, j'ai fait un masque et je me sens super bien. Genre, carrément, j'ai pas mis de crème histoire de me sentir encore bien longtemps parce que comme ça, si je mets de la crème, ça va tout annuler. Du coup, voilà, je vais garder ça comme ça. Et comment vous dire, hier, on est parti. J'espère que les voitures ne gâchent pas le bruit. Voilà. Hier, on est parti regarder le film Amani où Salma adore jouer dedans. Et franchement, j'ai passé un bon moment. Genre, bon, il y avait mon chéri qui était venu avec moi. Je me suis dit, vu qu'il part pas comme rien, il avait pas toutes les rêves. Genre, quand c'était drôle, je pense qu'il se disait, mais. Parce que la traduction française, franchement. Enfin, c'était bien traduit, mais je veux dire, quand tu parles en comorien, c'est pas pareil que quand tu parles en français. Du coup, la traduction française, je pense, elle claquait moins. Mais bon, nous, on a passé un bon moment. J'ai pu vite fait voir Salma Adore et tout. Parce que Salma Adore, moi je l'ai connu via Wajini, vous savez, la série auquel j'avais participé. D'ailleurs, j'espère que ce sera de retour. Et ouais, chez moi, je l'ai connu via Wajini, vu qu'on tournait ensemble, etc. Mais elle tourne le Comore, donc c'était un petit peu du virtuel. Et là, c'est la première fois que je la voyais en vrai, du coup, nickel. Mais bon, il y avait plein de gens qui demandaient des photos, etc. Qui lui parlaient, qui la félicitaient. Donc, j'ai pas tardé. Juste, on a fait la photo et ciao. Donc, cela m'a plus. Hein, oui. Parce que celui-là, il est à Paris. Bon, ah. Bon, je ne pas si c'est trop facile. Amlo pizza. Pizza là de heure. Le rigueur. Ngaragalo Star Academy. Star Academy c'est à Paris. Maman, c'est quoi Star Academy? Star Academy c'est à Paris, hein. Mais c'est quoi? Eh maman. Le niveau donc tu me faire une Europe puis ça va nous faire gagner avec l'orchestre symphonique parce que c'est quand même un programme. Elle connaît pas elle. Mais là ça la fera ça soudé. Qui ont des carrières qui n'ont pas encore la chance de se. Est-ce que tu connais l'histoire de samedi? J'ai pas oublié, ils avaient éliminé Amis. Attends, c'est quoi l'histoire Mbé là, je sais pas quoi là. Mbambe. Mbambe, c'est une vidéo. Je suis en goulé, tu vas aller à McDo. J'ai un bleu. Pas sûr, c'était bien. La bouée, filme à Tantia. Il était bien, Sinima. Il était trop mieux. On a bailé la verre. Ouais, d'azza, les éhagnes. Pour la babou, maman, m'a dit ma jamchanan. Ça fait qualité, m'a dit yon. HM ou 19 heures. Toi, tu parles à qui comme ça? Là, tu prends tes aises, hein. Elle a dit de toi. Ouais, mais à qui dis-tu? Elle a dit quoi? C'est bien fait pour toi. Bien fait. Pourquoi? Bien fait. Pourquoi? Ben, me rappelle quand je suis sa grande soeur. Je suis pas Faratine ici, ni même Amina. Moi, je te baffe, moi. Doucement. Bon, t'as un rengue sauce, c'est normal. Tu dois chimichi à Djao. Moi le vlog se termine ici parce que là on va aller les déposer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rien fait, on n'est même pas sortis. Voilà tout simplement. Si je l'ai coiffé. Viens. Monte ta coupe. Ciao. Et mon vlog touche à sa fin. Là il y a Peppa.
C'est ça. Piggy, fais tout. Je pense, c'est ça. What the fuck, you do? Ah oui, 12. Elle est assez marrant parce que sa grosse tête avec sa soeur Saïm ou Tujam tout bisous, on a déjà dit 20 jours. Elle est là, ma mère qui, comme d'habitude, à chaque fois qu'on arrive, elle nous accapare pour régler ses problèmes. Maman, fais coucou. Coucou. Parcheur, oui.